Bonjour les loulous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons faire des mathématiques. Les mathématiques c'est pour apprendre à compter. Nous avons déjà fait la maison du 5 ensemble et aujourd'hui nous allons faire la maison du 6. Ah c'est à l'envers. La maison du 6 ensemble aujourd'hui. Nous allons faire comme la dernière fois avec les animaux. Voici la maison du 6. Il faut remplir les fenêtres ensemble. Pour remplir la maison du 6, on a le désert, une porte mystère et des aigles ou des faucons. Enfin, je pense que ce sont des aigles. Donc, il y a des aigles qui vont s'envoler et se cacher derrière la porte. Toi, tu dois me dire combien d'aigles se sont envolés. C'est comme la dernière fois. Est-ce que tu es prêt? D'abord, on va compter ensemble le nombre d'aigles dans le désert. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Il y a 6 aigles dans le désert. Attention, ils vont s'envoler. Ça y est, des aigles se sont envolés. Combien reste-t-il d'aigles dans le désert? On compte. 1, 2, 3, 4. Donc, combien d'aigles se sont envolés? Je vais t'aider. On a 4 aigles ici. On les met sur la main. Ici, il n'y en a rien. Et normalement, il y en a 6. Donc, je compte d'abord sur ma première main. 1, 2, 3, 4. Et sur ma deuxième main, 5, 6. Donc, on a combien d'aigles qui se sont envolés? 2. Ah, je suis allée trop vite. 1, 2. Parce que 4 et 2, ça fait 6. On regarde la maison du nombre. 4 et 2, ça fait 6. Très bien. On continue, on essaye d'aller un peu plus vite. Donc il y a toujours 6 aigles dans le désert. Attention, ils s'envolent. Ça y est. On compte. Combien reste-t-il d'aigles? 1, 2, 3, 4, 5. Il reste 5 aigles. Combien d'aigles se sont envolés et qui se sont cachés derrière la porte? 5. J'ai rien. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5. 6 sur ma deuxième main. J'ai levé combien de doigts sur ma deuxième main? Un seul. Donc, il y a un aigle qui s'est envolé parce que 5 et 1, ça fait 6. Regarde avec mes deux mains. 5 et 1, ça fait 6. Utilise tes mains pour voir ce que je fais. On continue. On a toujours 6 aigles dans le désert. Attention. Ça y est, des aigles se sont envolés. Combien reste-t-il d'aigles dans le désert? 1, 2. Il reste 2 aigles. Combien d'aigles se sont envolés? J'ai ma deuxième main. 1, 2. J'utilise ma deuxième main. 3, 4, 5, 6. On s'arrête parce que nous, on s'intéresse qu'à 6. J'ai levé combien de doigts sur ma deuxième main? 1, 2, 3, 4. Donc, 4 aigles se sont envolés parce que 2 et 4, ça fait 6. 2. Et 4, ça fait 6. 2, 4, ça fait 6. Nous avons encore 6 aigles dans le désert. Attention, ils se sont envolés. Combien reste-t-il d'aigles dans le désert? 1, 2, 3. 3, il en reste 3. Combien d'aigles se sont envolés? J'ai ma deuxième main. Je compte sur ma première main. 1, 2, 3. Je retiens 3. Sur ma deuxième main. 4, 5, 6. J'ai levé 3 doigts. Donc, 3 aigles se sont envolés. Parce que 3 et 3, ça fait 6. 3 et 3, ça fait 6. Nous avons nos aigles dans le désert. C'est parti. Ah, des aigles se sont envolés. Combien d'aigles restent-ils dans le désert? 0. Il n'y en a aucun. Donc, combien d'aigles se sont envolés? On n'a pas besoin des mains. 6 aigles se sont envolés. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 et 6, ça fait 6. 0 et 6, ça fait 6. Voilà, nous avons nos 6 aigles dans le désert. Ça y est. Des aigles se sont envolés. Combien reste-t-il d'aigles dans le désert?
On n'a pas besoin de compter, on le voit tout de suite, il en reste un. Donc, combien d'aigles se sont envolés? J'ai un, j'ai rien dans ma deuxième main, je compte jusqu'à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai levé combien de doigts sur ma main? 5. Donc, 5 aigles se sont envolés. On reconnaît 5 ici, c'est comme sur le dé. 1 et 5, ça fait 6. 1 et 5, ça fait 6. Dis donc, il nous reste encore 2 fenêtres et on a fini. Voilà, j'ai mes 6 aigles dans le désert. Attention, ils vont s'envoler. Ça y est, combien d'aigles reste-t-il dans le désert? D'accord, je ne donne pas la réponse. Combien d'aigles se sont envolés et se sont cachés derrière la porte? J'ouvre la porte. 0. On a 6 aigles dans le désert et 0 derrière la porte. On a appris que 6 et 0, ça fait 6. 6 et 0, ça fait 6. Ça y est, notre maison du nombre 6 est terminée. Nous l'avons finie. Nous avons fait la maison du 5, la maison du 6. Je te dis au revoir. Nous nous retrouverons pour une prochaine vidéo. Et bientôt, tu pourras faire la maison du 6 chez toi à la maison. Au revoir.